Saindo da estrutura de rigidez do fado. Sabe-se lá, foi um dos fados que ficaram imortalizados nesta época, com outros muitos mais. 19 anos após sa mort, a l'œuvre de Amália Rodrigues continua a inspirar os fadistas que assurent a pérennité dans la reproduction de certains de seus plus grands succès, encore que de plus en plus coloris, disons. Avec des nouvelles fusions musicales. During her career from the 40s to the 80s, Amália's voice was the inspiration of some of the greatest Portuguese poets and composers. Alors, le bref hommage que nous faisons ce soir à Amália. C'est un petit voyage de quelques thèmes qui ont été marquants dans sa carrière par les compositeurs, par les poètes et par simplement des succès qui ont marqué le peuple. Nous allons poursuivre. A década de 50 é marcada pelo encontro com David de Mourão Ferreira e com Barco Negro, o poeta contribui à primeira grande explosão internacional de fadista em 1955. Ce poète chanté par la diva dans le film français Les Amants du Tage connaît un succès colossal en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Alors, Barco Negro pour vous avec ces deux grands musiciens. Os teus olhos disseram que não.
dançava na luz. Vi teu braço acendo entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia. Que não devient l'un des plus grands succès du disque au Portugal et cette chanson fut traduite en plusieurs langues. Elle est connue en français sous le nom La maison sur le port. Pour vous, La maison sur le port. Ils y vont de sa façon avant de partir tirer leur filet.
chercher cette fille que j'étais, qui savait aussi aimer et chanter. On dirait que tout est mort et même mort dans la maison sans le port. Il se dépasse sur mes 20 ans que je pleure. Bien souvent avec les filles j'ai pleuré, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours. So much, and yet is never enough. And although some of us think that Fado is this Portuguese crying music, and I know there are people in there who believe that, we certainly cannot blame Fado for our anxiety and for our daily gray moods. Alors j'espère que vous sortirez ce soir d'ici comme moi, avec le cœur rempli de joie de cette belle soirée. Alors, levava no rio. Levava no rio, levava. Chamava meu frio, já. Quando eu o rio levava.
queria deixar aqui, antes de deixar o palco, um grande agradecimento ao Consulado-Geral de Portugal de Montreal, ao Sr. Carlos Bartilotti, ao Carlos Rezende, ao Custódio Castelo, por me darem esta oportunidade de mais uma vez promover a minha língua, a minha cultura e de uma forma magnífica através de uma das minhas grandes paixões, que é o fado, como provavelmente sabeis. E gostava de dizer: avant tout ce qui est ici, le fado exige une capacité profonde à regarder dans soi pour y puiser dans son vécu et transcrire à notre histoire ce qu'on en garde. Et j'aimerais citer ici M. Custódio Castelo, qui me disait tantôt que ce qu'il nous apporte, ce qu'il fait, est le résultat de 25 ans d'apprentissage en 30 ans dédiés à la guitare portugaise qui chante la voix d'un peuple et parle et porte le nom de son pays. Et c'est extrêmement vrai. Et avec ça, je voudrais encore dire, maître virtuose de la guitare portugaise, Custódio Castelo est un artiste passionné et inspiré qui ose repousser les limites du conventionnel pour nous faire vivre des émotions qui nous prennent au dépourvu. Il est le créatif que l'on veut voir se mêler aux artistes locaux de notre Montréal, multiculturel, aux inspirations multiples, Montréal, capitale culturelle de cette province qu'est le Québec. Alors, on espère vous voir ici, queremos que volte, obviamente, isto em meu nome e certamente em nome de toda esta plateia. Chegou o momento de devolver o palco à guitarra portuguesa, a estes dois grandes músicos que trazem o fado na alma e também o traduzem no dedilhar das guitarras. Muito obrigada. Foi incrível.